Salut à tous, cette semaine dans Direction One, on vous montre des astuces et des raccourcis pour utiliser à 100% l'interface de votre Xbox One. Vous apprendrez à maîtriser comme un dieu votre console préférée. Envie de jouer ou de lancer une application que vous venez de télécharger mais votre file d'attente est trop longue? Un appui sur Menu sur l'application en pause et sélectionnez Installer maintenant pour le télécharger directement. Il est également possible de mettre en pause ou d'annuler le téléchargement si nécessaire. Intéressons-nous maintenant à des raccourcis utiles. Tout d'abord, pour gérer vos jeux et apps, la touche View qui, sur la tuile d'un jeu, vous donne la possibilité de le désinstaller rapidement. Pour vous déplacer plus rapidement entre les écrans, utilisez les boutons LB ou RB pour passer d'un écran à un autre. Il est possible d'ouvrir OneGuide en appuyant sur la touche X sur l'interface pour regarder vos programmes préférés. Et enfin, dans l'application Amis, appuyez sur la touche Y pour rechercher et ajouter de nouvelles personnes. Vous rencontrez un petit problème sur l'interface, vous pouvez la rafraîchir en appuyant simultanément LT, RT et Y et voilà, les erreurs d'affichage ont tout simplement disparu. Les épingles qui sont placées sur l'écran gauche de l'accueil permettent d'accéder plus rapidement à vos applications et vos jeux favoris. Comment épingler? Rien de plus simple, allez sur un jeu, puis appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner l'option Épingler sur l'accueil. Vous pouvez aussi épingler une application en employant la même manipulation, ainsi qu'une page internet, une musique ou une vidéo. L'interface de la Xbox One permet de personnaliser l'ordre de ces épingles et de les supprimer en appuyant simplement sur Menu. Il est également possible de le faire via l'application Smart Glass sur smartphone et tablette, mais ça, on vous l'expliquera dans un prochain Direction One. N'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à consulter l'aide sur votre Xbox One pour approfondir les façons de naviguer. Vous voulez voir plus de vidéos et de tutos sur la Xbox One? Abonnez-vous à la chaîne Xbox FR pour ne rien manquer des dernières nouveautés. Et cliquez sur les vidéos au-dessus pour voir ou revoir les derniers épisodes. Allez, à la prochaine et jouez bien sur Xbox One!